Après une semaine d'absence, revoici mon journal. Enfin, nos petits Suisses sont toujours meilleurs en mathématiques. Ils se classent en tout cas pour l'Europe au deuxième rang après le Liechtenstein. Je n'arriverai jamais à le dire. Cette petite principauté collée à la Suisse, pleine de banques comme ici, mais plus riche que nous quand même. Enfin bref. Ils sont meilleurs en mathématiques que, en tout cas, c'est sûr que les Français et les Italiens. Puisque eux, ils sont tout au fond du classement. Mais bon, ils sont pas si mauvais que ça. Enfin bref. À la prison de Chandolon, dormir par terre, c'est fini. Et non, ils ne dormiront plus par terre. Avant, c'était un matelas par terre. Maintenant, ça va être un beau cadre en métal avec des ressorts, avec deux petits pieds. Qui basculera contre le mur et le matelas dessus. Donc, il ne sera pas vraiment par terre. Enfin, pas très cher comme système. Mais enfin, tant mieux. Tant que les prisonniers sont mieux traités que nos retraités. Enfin, vous savez très bien, j'ai diffusé une image sur Facebook il y a quelques temps. Ça a bien suffi. Alors, pour le réseau Santé Valais, maintenant, les ordres, c'est aux chuves. Merci à Casal pour cette image. Et enfin, on verra bien comment ça va finir ces conneries. Enfin, à Sion, ils vont recevoir les ordres de Lausanne pour opérer une personne. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Déjà, qu'entre les hôpitaux CR Sion et Martigny, sans oublier Brigue et Viège, c'est déjà le capharnaüm pour se comprendre entre eux. Alors imaginez si en plus on rajoute le CHUV. Là, ça va plus être le capharnaüm, ça va carrément être le... Comment on appelle ça déjà? Le gros bordel. Les Allemands remercient les Français, car les Français veulent totalement interdire la prostitution et la rendre illégale. Alors, les Allemands sont tout contents parce que justement, les gérants de maisons closes allemands sont tout contents de recevoir nos chers amis français. Et oui, cette bande d'idiots. Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein. Ils disent merci à ces idiots de français. C'est exactement ce qui était marqué dans le torchon ce matin. Enfin, le matin. Le machin. Le truc. Enfin, bref. Le journal le plus nul de Suisse romande. Alors, Horoscope. Que vous soyez bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau ou poisson. Vous avez le choix. Alors, vous prenez un jeu de cartes, vous marquez une connerie qui pourrait vous arriver. Vous mélangez ces cartes, vous tirez une carte au hasard, ce sera exactement la même chose. Et le pire, c'est que ça risque de vous arriver. Enfin bref, loterie, la roulette russe, c'est mieux que l'horoscope. Là, au moins, vous avez une chance sur 6 de bien vous prendre une bonne dans la tête. Allez. Bonne soirée, bonne suite d'émission, et je crois que Stéphane et Steve, j'espère, ils vont encore bien, ils sont encore vivants. Pour les problèmes de son et d'image, arrêtez de vous regarder pendant que vous faites l'émission, nous on vous voit, ça suffit. Enfin bref, ça ira, enfin ça ira, les aristocrates, on les aura, bonne soirée. Une petite info que j'ai oubliée la semaine passée, vu que j'étais pas là, j'ai pas pu la faire. Oscar Freisinger, il est harcelé par tout le monde au Conseil d'État valaisan. Il faut dire qu'ils lui ont foutu la sécurité et l'éducation. Les deux départements où il n'y connaît rien du tout. Bon, il faut dire aussi que pour les autres départements, il n'y connaît rien. Alors qu'il reste à Berne, qui laissent nos enfants s'éduquer eux-mêmes, vu qu'ils sont forts en maths, ils vont savoir calculer qu'un Freisinger au Conseil d'État et un Freisinger au Conseil cantonal, ça sert à rien. Ça fait juste emmerder et rajouter du sel sur la plaie. Je vais essayer de faire un montage avec ça. Ouais.
Ah merde, elle filme encore. Mais quel con, j'ai oublié d'arrêter la caméra. C'est chaque fois le même bordel.